bien compris. Coucou Mamoun, saucisson de Lyon. Ah merci ma chérie, tu sais que j'adore ça. Tu as pris tes comprimés? Oh zut, maman. Oh mais j'ai juste oublié de jouer. Et tu vois, je suis encore vivante. Comment était ton groupe? Oh, 14 hommes d'affaires, tous terriblement japonais. Et? Et 14 hommes d'affaires japonais, pressés d'apprendre le français, mais surtout pressés d'expédier le cours pour aller dépenser tout leur fric chez Vuitton. C'est quoi ça? Je ne suis pas seule. Comment ça, tu n'es pas seule? Je ne suis pas seule, Finiki, je ne suis pas seule. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un d'autre dans cet appartement? Où ça? Qui ça? Chloé, je te présente Mathias. Mathias, voici Chloé. Bonjour, ravi to meet you. Qui êtes-vous? Je suis Mathias Gold, sheriff de New York. Je suis l'héritage. Je suis le propriétaire de cet appartement et je possède aussi Madame Schiffard, en bonus. Enfin, jusqu'à sa mort. Après, je posséderai uniquement l'appartement. Madame Joker, vous travaillez pour Madame Giffard? Non, Chloé, ma fille, elle habite ici avec moi. Votre fille? I'm sorry. Vous recommencez tout depuis zéro? Bonjour, madame, je suis vraiment désolé pour cette plaisanterie stupide, mais votre mère m'a invité à rester la nuit dernière. Pourquoi? Pourquoi quoi? La nuit dernière, eh bien, parce que j'avais prévu de rester là. Je ne savais pas que votre mère habitait là, avec vous, je pensais que l'appartement était vide. Il n'avait nulle part où aller. Je n'avais nulle part où aller. Il porte le peignoir de papa. De quel droit portez-vous le peignoir de mon père? Votre mère me l'a donné. Mais je lui ai prêté. Elle est fâchée? Et ça m'en a tout l'air. Elle est partie. Elle est sans doute allée vérifier dans quelle chambre vous avez dormi. J'ai dormi? Vous croyez tout n'importe qu'elle croit que vous et moi, et vous plaisantez, j'espère. Combien de temps comptez-vous rester ici? À Paris? Ici, dans cet appartement. Combien de temps comptez-vous rester ici? Bien, je ne sais pas exactement, mais je paye un loyer. Pourquoi? Pourquoi payez-vous un loyer? Je me chambre. Et moi, je suis invisible. Sors de cette pièce, maman, s'il te plaît. Pardon? Sors de cette pièce, je veux lui parler seul à seul sans que tu m'interrompes. Je ne pense pas vouloir sortir, Chloé. Sors de cette pièce, maman, s'il te plaît. Si vous voulez avoir une private conversation, je peux m'en aller. C'est ça, merci, sortez. Sortir, je parle de la pièce. C'est ça, go away. Ok, et votre fille a réellement le sens de l'hospitalité. On se sent tout de suite le bienvenu en sa présence. Si vous avez besoin de moi, vous n'avez qu'à siffler. Vous savez siffler, baby. Vous rapprochez les lèvres comme ça et vous soufflez. Depuis combien de temps est-il ici? Depuis hier. Tu es tombée sur la tête? Pourquoi tu dis ça? Tu sais qui il est? Oui. Le même visage. Le même visage, ça m'a fait un de ces chocs. Le même visage et le même caractère, ça je peux le signer. Maman, laisse-moi s'il te plaît. Je veux lui parler. Tu me dois bien ça. Bon, 3 minutes. D'accord, 3 minutes, mais pas une de plus. Et tu m'entends? Il ne sait rien. 3 minutes. Vous pouvez revenir, j'ai à vous parler. Maman, va-t'en. Monsieur, je sais exactement qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici. Parfait. On va aller tout de suite à l'essentiel. Qui je suis et pourquoi je suis ici? Ma mère a 88 ans. 88, on avait dit 86. Elle ment toujours sur son âge. Elle a 86, elle veut paraître plus jeune. Ok, je me suis fait avoir, encore une fois. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi? Je veux que vous dégagiez. Selon la loi, vous n'avez aucun droit sur cet endroit avant la mort de ma mère. Et si vous persistez à demeurer dans l'illégalité, je vous fais arrêter et je fais annuler le contrat de vente. Illégalité, mais je paye un loyer. Ah, j'étais sûre de votre réponse. Je connais exactement les moyens légaux dont je dispose. Non. Illégalité, ça veut dire qu'on a franchi la ligne interdite. Illégalité means intrusion, invasion, violation. Je paye un loyer. Nos avocats en décideront. Nos avocats, la police. Et oui. On peut recommencer encore une fois? Bonjour madame! Ravi de vous rencontrer, je suis Mathias Gold, mes amis m'appellent Jim, j'arrive de New York, je loue une chambre à votre mère. Je paye un loyer, on a conclu un deal.
Écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais vous le redire simplement et clairement. Si vous n'avez pas fichu le camp de cet appartement avant 14 heures, nos avocats porteront plainte et la police vous délogera de force. Excusez-moi, stop. Excusez-moi, mais il y a quelque chose que je vais vous dire moi aussi, simplement et clairement. N'essayez pas de me baiser. Cet appartement est mon appartement. Mon père a mis $1 milliard dedans. Et me l'a donné comme héritage. Alors je me fiche bien de savoir si votre mère a 500 ans ou plus. Il a à moi. Pas à elle, pas à vous. À moi, à personne d'autre qu'à moi. Je vais d'ailleurs le vendre le plus vite possible. Et une fois le fric en poche, je dégage. Mais pas avant. Écoutez, j'ai parlé à pas mal d'agents immobiliers. Et je sais exactement la valeur d'un appartement face du jardin de Luxembourg. Et je peux comprendre pourquoi vous êtes tellement hystérique. Mais vous ne pouvez rien y changer. Mon père a acheté cet endroit dans la légalité. Alors, vos plans pour rester ici, va falloir les oublier. Vous éviterez à vous-même pas mal de problèmes. Maman, tu l'as entendu? Même avec l'accent, c'est assez clair. Il veut que tu crèves et me jeter à la rue. Il n'y a que le fric qui compte pour lui.